nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Merci. Nos partenaires au quotidien qui nous suivent dans tous nos événements également. Donc Igwiz, Noise, One Way, Coca-Cola, Lisa Primer entre autres aussi. Donc voilà, ce sont des personnes qui nous aident au quotidien. Merci à eux. Merci à David et Mario, régisseurs ici de la salle. Jean Ferrat, merci beaucoup. Brotaf, merci beaucoup. Les caméramans et photographes qui sont présents aujourd'hui. Christophe, Mike, Gwen, big up à vous, merci beaucoup. Merci d'être là, de jouer le jeu. Et bien sûr, à vous, le public, les parents, vraiment merci pour tout. Merci de suivre vos enfants sur ce genre d'événement et de faire évoluer la culture hip-hop. Merci beaucoup, je passe la parole à Sophie Selko. Merci. Merci, Seb. Bonjour à tous. Je ne vais pas être très longue, ne vous inquiétez pas. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir à cet thème cette battle Break Kid. Excusez-moi, je ne suis pas une pro. Hein, organisée à la fois par l'Espace Jeune et l'association Urban Dream. Vous savez que ici à cet thème, l'équipe municipale attache beaucoup d'importance aux initiatives portées par les jeunes et pour les jeunes. Malgré des idées, chacun d'entre nous dans les débats qu'on peut avoir, les discussions, même à l'école, au collège, au lycée, ou même dans son quartier, des idées dominantes qui sont véhiculées, c'est que les jeunes, ils font quelquefois pas grand-chose. Preuve en est aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Ils portent des projets divers, de culture, de citoyenneté et de sport. On l'a vu avec les assises de la jeunesse ici à Septem, mais plein d'autres fois. Il y a énormément d'initiatives qui sont portées sur la commune ici, et ils s'investissent à leur manière, pas forcément de la même façon que nous on l'aurait fait en tout cas, mais en tout cas ils s'investissent à leur manière, et ça c'est important, de participer à la vie de sa commune, de son lycée, de son collège. Voilà, donc à Septem, l'espace jeune est un outil très important pour les y aider, à la fois par l'équipe d'animation, mais aussi tous les jeunes qui aussi aujourd'hui ont permis l'organisation de cette manifestation et qui participent à ce que tout se passe bien. Donc cet après-midi, nous allons passer un bon moment, nous allons voir de belles choses, j'en suis sûre. Évidemment, c'est une compétition, mais c'est aussi du spectacle. Et c'est un spectacle qui s'appuie sur des valeurs. Alors j'ai un petit peu regardé parce que je ne suis pas, hein, même si j'en discute quelquefois avec Seb, les valeurs de ce que nous allons voir cet après-midi portent une culture à la fois pacifiste, prône la pluriracialité et le dépassement de soi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un mouvement, vous allez toujours essayer d'obtenir un meilleur résultat et de repousser vos limites. Vous allez le faire cet après-midi, mais ça, au quotidien, tout le temps, ça va vous permettre aussi, dans la société, de repousser les limites et d'essayer de bousculer un peu les choses. Et ça, c'est vraiment très beau. Donc, nous allons passer un bon moment. J'espère que tout va bien se passer, que vous allez vous amuser, parce que c'est important aussi de prendre du plaisir. Comme quoi, quelquefois, on se dit que la danse et la musique, c'est quelque chose d'un peu sans importance, en tout cas pas très utile, mais elle a au moins une très grande importance. C'est à la fois de prendre de bons moments, mais aussi de partager et de vivre ensemble. Merci aux B-Boy, Bigger, tous les coachs, merci aux parents. Franchement, ça fait plaisir. Merci à la salle qui nous accueille aujourd'hui, cet après-midi, pour cette première édition. Faites du bruit pour la salle aussi! Faites du bruit, du bruit, du bruit, du bruit! Hey yo, c'est Nato, représente Martigues, conservatoire de danse, Pablo Picasso, Hybrid Soul, Hybrid Fusion.
Voilà, on était là invité par Seb, par l'équipe Urban Dream. Voilà, donc je remercie encore Hichem, je remercie Johan, Seb d'avoir fait la démarche, de m'avoir dit de venir ici pour partager ce moment avec vous. C'était vraiment super important pour moi quand je vois l'évolution des jeunes et quand je vois la relève qu'on a qui nous attend, là, qui nous pousse nous à monter le niveau. Donc ça fait super plaisir. Vraiment des jeunes engagés, événements super qualitatifs quoi. On est dans les timings. DJ Kessang au Palatine, c'était de la bombe. Jury, je trouve, de qualité. On était tous différents dans notre façon de juger, mais au final, je trouve que ça a donné quelque chose de sympa. Et voilà, dédicace à All Style, les winners, et à Transcendance, qui ont fini en deuxième place. Voilà. Sinon, bah, c'était vraiment que du kiff. J'ai besoin de ça en ce moment, c'est de la bombe. Donc, de voir toute cette énergie positive, de voir ces échanges, de voir que ça se respecte, qu'on est limite dans un match de boxe où ça se tape et à la fin ça se check pour se dire bon ben voilà, on était dans la danse, mais notre vie c'est pas forcément ça. On a levé notre personnage. C'était vraiment cool de voir ça et de sentir que ben voilà, il y a ce peace, love, unity, having fun qui reste présent, même si dans le battle en fait ça s'envoie et qu'on veut dominer, c'est normal, mais voilà, et ça reste positif. Voilà, et donc ce truc constructif, ça défonce. Voilà. Donc respect à tout le monde, j'ai vraiment kiffé et merci pour tout. Donc voilà, Astro Boy représente Urban Breaker Crew, Street Force Attitude, le mouvement hip-hop calédonien. Première édition du Battle Break Kids, franchement, au top. Hein. Merci à Urban Dream, merci à Seb, merci à Johan. Big up aussi à my man Mike là, qui se trouve juste derrière la caméra. Big up à tout le monde, tout le staff. Franchement, événement comme ça, là, au top. Les b-boys, les biggers, les parents, merci à tout le monde. Franchement, c'était... Et, je sais pas, y a pas... C'est un événement de l'espace. Les petits, ils avaient des passages de l'espace. Donc voilà. Et gros big up aussi aux deux DJ, celui qui était dans le hall là, j'ai oublié comment il s'appelle. Et my man Kaysang, voilà. Gros big up à eux, le jury, Nato, Hichem, big up à eux avec Seb. Et puis voilà. Félicitations encore au Krug qui ont remporté cette première édition, All Style. Big up à Transcendance, big up à tout le monde, franchement, big up à tout le monde. Le meilleur b-boy de All Style, le petit frère, et la meilleure bigger, Pita. WRC représente Original Rockers. Aïe! Astro Boy from Brooklyn. Peace! Bing! Premier événement sur Septembre Battle Kids. Grosse réussite. Merci à ma team, Urban Dream, les DJ, Kaysang, Moon, Speaker, Astro, ma team JS, Eni, Etienne, la mairie, j'essaie d'oublier personne, mais gros big up à tout ce monde-là, grosse réussite. Merci à Mike, il est là derrière l'objectif. Merci à tous les photographes, les vidéastes qui ont joué le jeu. Donc vraiment une bonne journée, très riche, beaucoup d'échanges, beaucoup de rapprochements vis-à-vis du b-boy, d'échanges de culture, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans cet événement-là. Je suis vraiment fier et tout ça c'est grâce à mon équipe. Donc voilà, gros big up, merci à tous.
de cette première édition. Et la première bigueur de cette première édition, bigueur Pita. Première édition, Battle Break King, bigueur Pita, meilleur bigueur de l'événement. Et le B-Boy. C'est B-Boy Loïc. Du bruit pour B-Boy Loïc. Première édition, B-Boy Loïc, B-Boy Loïc, meilleur B-Boy de l'événement. Yay, it's the end, c'est la fin du Battle Break Kids. Donc voilà, Transcendance, All Style final. Good event, franchement big up à tout le staff, Urban Dream, la salle qui nous accueille ici. Tout le monde, les parents, les papas, les danseurs, les b-boys, les b-girls. Tout le monde, franchement, le stand, DJ K-Song, my man Mike derrière la caméra. On se voit l'année prochaine. Hasta la jehe. Peace.